Good morning, Aleid. Dans l'étude aujourd'hui, le Lunishmat Mori Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman Nissim ben Ahuda Sarah bat Hana Rachel Shlomo ben Esther et Risha bat Chaim Nechemia, ainsi que l'Irfuat Avraham Ori ben Reut Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous débutons aujourd'hui le sixième perek de Zvachim. Kodshe Kadashim Sheshachatan Berosh Amisbeach Rabbi Yossi Omer Ke Ilu Nishchatu Batzafon. Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer מחצי המזבח ולצפון כצפון, מחצי המזבח ולדרום כדרום. המנחות היו נקמצות בכל מקום בעזרה, ונאכלין לפנים לכלאים לזכרי כהונה, בכל מאכל, ליום ולילה עד חצות. Deux sujets dans notre Mishnah. Tout d'abord, une première parenthèse par rapport à la suite du cinquième Pérec, si je peux dire. C'est-à-dire le but du cinquième Pérec était de définir chaque korban que l'on faisait au Beth Amikdash, où devait-il être abattu, où devait-il être ensuite aspergé le sang et tout ça, préciser et donner des données concrètes, une fiche détaillée de chaque korban et ses caractéristiques. Et notre Perek va continuer le sujet à partir de la moitié de notre Mishnah en parlant des Menachot, ensuite on parlera de la Chatata Of, Olata Of, on complétera comme ça tous les korbanot. Mais là, pour le moment, on a fait une petite parenthèse en apportant quelques précisions par rapport à l'abattage des Kodesh Kadashim et des Kodashim Kalim. Pour rappel, dans le cinquième Perek, on avait appris que la singularité des Kodesh Kadashim, ce qu'on avait appelé les ultra kadosh, les korbanot super kadosh, devait être égorgé dans la moitié nord de la Hazara. Pour vous rappeler un petit peu le dessin, le schéma de vue d'avion qu'on avait vu. Là, j'ai dessiné le Echal, enfin j'ai dessiné avec la place qui me restait, de faire le Echal, regardez, on voit les marches du Echal avec lequel on montait. Le Echal, il était exactement au milieu exact de la largeur de la Hazara. Là, le Echal, on priait en direction de l'ouest, à la différence que tout le monde croit qu'on prie à l'est, je ne sais pas d'où ça vient. Je doute, est-ce que ça vient pas des catholiques, pour vous dire, même, dans la Gemara, on dirait que c'est vachement comme ça. En tout cas, là n'est pas le problème. Nous, on se dirige vers l'ouest. Ouais, on entre vers l'ouest, on entre de l'est vers l'ouest, et on entre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Echal, dans le Kodesh HaKodashim, où là-bas, on se dirige sans arrêt vers l'ouest. Donc, cette partie-là, ici, c'est la partie nord, et donc, il fallait égorger les korbanot qui étaient Kodesh HaKodashim au nord, à la différence des Kodashim Kalim, les saints de sainteté plus légère, vous pouvez être égorgé dans toute la partie de l'Hazara. D'accord ? Maintenant, le Misbéach, il n'était pas exactement au milieu de l'Hazara, mais il était décalé vers le sud. Ouais, il y a des caractéristiques ramenées dans la Gemara, dans Zvachim, j'ai oublié, je suis en train de reprendre Zvachim maintenant dans le Fayumi, mais d'ici que j'y arrive, je ne suis pas encore assez dans le bain. Mais en tout cas, il y a des raisons pourquoi, mais le Misbéach, il devait être tiré un petit peu en arrière. D'accord ? Ça veut dire qu'on n'avait pas le milieu du Misbéach qui arrivait au milieu de la porte d'entrée, mais il était un petit peu en arrière. Ok ? Donc, je reprends. Dans la partie nord, il fallait égorger le Kodesh HaKadashim, et les Kodesh HaKadashim, ils pouvaient être égorgés dans toute la Hazara. Là, on parlait toute la Hazara, toute la cour du Beth HaMikdash. Maintenant, jusqu'à maintenant, on a parlé qu'on égorgeait le Korban par terre, en bas. Essentiellement, faire un Korban, ça implique prendre son sang et aller le jeter sur le Misbéach. Maintenant, le but de notre Mishnah va être de parler, est-ce que l'on peut prendre aussi le korban, on monte avec la vache, avec le mouton, on monte sur le toit du Misbéach, et là-bas on l'égorge. La Mishnah va nous dire que oui, c'est un pasouk explicite. Le but de notre Mishnah, de la première partie de la Mishnah, va être de nous dire malgré tout, est-ce qu'on va dire que le korban est kasher dans toute la partie du Misbéach, ou bien est-ce qu'on va dire qu'on va couper le Misbéach en deux, pas là où il y a le trait rouge, mais plutôt un autre trait ici, d'accord, vraiment au milieu où il y a la tapouar, quoi, et donner la moitié pour la Ola et l'autre moitié pour le Misbéach, c'est les deux avis qu'on a dans la Mishnah, regardez. Kodesh Kadashim, Sheshachatan, Berosh, HaMisbéach. Les sacrifices super kadosh qu'il a égorgé Berosh, HaMisbéach. En haut du Misbéach, sur le toit du Misbéach, pour vous donner une idée quand même de taille, on avait en haut, on avait 32 amas de là à là, d'accord. Or, le Misbéach montait en escalier, il y avait là une amas ici, une amas ici, puis une amas ici, une amas ici, donc on avait perdu 4 amotes.
4 Amot, Bessar Hakol, ça veut dire, au final, on avait 32, on se retrouve avec 28 aujourd'hui. Vous avez de là, d'un coin, d'un bout à l'autre, de longueur. En longueur, on avait 28 Amal, l'équivalent de 14 mètres, ce qui est franchement grand. Il y avait là-bas la place de quoi faire des korbanot, si on voulait. Le Pasouk nous dit explicitement, dans, à la fin de Parashat Yitro, Mizbach Adamata Aseli, et je ne sais plus comment c'est dit, mais le Pasouk il continue en nous disant, ça rapporté dans la moitié du Pasouk qui est rapporté dans le Barthénora, Vezavarta Alavet Olotecha Vet Shalamecha. Tu égorgeras sur lui tes Olot et tes Shlamim. Donc on a le droit d'égorger des Olot et des Shlamim sur le Mizbeach. On n'est pas obligé de faire les Olot et les Shlamim en bas, tel que c'est écrit dans la Torah. Jusqu'à maintenant, on a parlé qu'on égorge en bas, par terre, et puis après, on récupère le sang, on l'asperge soit en bas, soit on monte avec le sang en haut. La Gemara, la Torah nous dit aussi explicitement que si tu veux, tu peux l'égorger en haut. Quand même, Chachamim, on dit de ne pas égorger sur le Mizbeach, mais d'égorger que en bas. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que l'animal, quand il est vivant, il a des sorties. D'accord ? Il fait des excréments. Et si on monte sur le toit du Mizbeach et qu'il risque de faire en haut, ce n'est pas kavod pour le Mizbeach. De ce fait, Chachamim, ils ont dit, tu ne montes pas avec l'animal vivant en haut sur le Mizbeach. D'accord ? Mais en tout cas, selon la Torah, on n'a pas de problème de le faire. Si on lui fait un lavage de ventre des tripes, quoi, on nettoie tout tant qu'elle est encore vivante, en théorie, il n'y a pas de problème de la prendre, de monter les gorges en haut. Ok ? La question maintenant va être de savoir. Donc, Kodesh Kadashim Sheshratan Berosh HaMizbeach. Les sacrifices super kadosh, ultra kadosh, qu'il a égorgé en haut du Mizbeach. Est-ce qu'ils sont cachés ou non ? Rabbi Yossi Omer, Keilu Nishratu Batsafon. Selon Rabbi Yossi, tout le toit du Mizbeach est cachère. Il est valide pour égorger les Kodesh Kadashim, au même titre que s'il est égorgé dans la partie nord. Même si concrètement, il a une grande partie du Mizbeach qui n'est pas au nord. Malgré tout, c'est cachère. C'est cachère. Et tout le toit, il est cachère. Même si on se retrouve là, pour vous donner une idée, il y avait, je ne peux pas calculer les têtes, là, je ne me suis pas préparé. Il y avait l'équivalent de, je crois, 136 amas de largeur. Ouais, regardez comment on a réussi. Hein. On a franchement quitté la ligne médiatrice de la Hazara. Et malgré tout, parce qu'on est sur le toit du Mizbeach, c'est cachère. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yossi. Tandis que Rabbi aussi bar Yehuda Omer, Mechatsi Amizbeach vela tsafon, katsafon, Mechatsi Amizbeach vela darom, katarom. Rabbi aussi bar Yehuda dit non, pas tout le toit, mais la moitié du toit, mais pas le trait rouge, la vraie moitié du Mizbeach. On reprendra au pire le dessin. Ouais, vous faites un trait ici, et toute cette partie-là, on donne la moitié pour les Olot, pour les Korban, notre Kodesh Kodeshim, et l'autre partie pour les Kodeshim Kalim. Pour quelle raison ? Comment est-ce qu'il apprend ça ? C'est une marloquette, comment interpréter le pasouk ? Le pasouk m'a dit de faire un misbeach, vezavarta alav et olotecha vet shelamecha. Tu gorgeras dessus tes olot qui sont kodesh kadashim, et tes shlamim qui sont kadashim kalim. Or, si la Torah m'a donné la possibilité d'égorger les kodesh kadashim, pourquoi a-t-elle eu besoin aussi de me préciser aussi que je vais égorger aussi les kodeshim kalim ? Kodeshim kalim, c'est plus simple à égorger, je peux égorger de partout. Donc, un endroit où je peux égorger une Ola, c'est sûr que je pourrais égorger une Shlamim. C'est là la discussion, comment interpréter ce pasouk. Un des deux avis nous dit, Olotecha veshlamecha, moitié-moitié. La moitié pour les Olot, la moitié pour les Shlamim. Tu donnes la moitié nord pour les Olot, et l'autre moitié pour les Shlamim. Ok ? C'est la discussion, et l'autre il nous dit, non, ne rentre pas dans cette considération, c'est plus expliqué dans l'antenne si vous voulez. Ensuite, donc, je reprends Rabbi Yossi bar Yehuda Omer. Rabbi Yossi bar Yehuda nous dit attends, pas tout le toit est kasher, mais Chatzi HaMizbeach Vela Tzafon, Katzafon. De la moitié du Mizbeach vers le nord, donc depuis la moitié jusqu'à vers le nord, c'est considéré comme le nord. Tandis que Chatzi HaMizbeach Vela Darom, Kadarom. L'autre moitié c'est considéré comme si c'était le sud, et donc tu ne pourras pas faire dessus les Olot dans cette partie-là. Ok ? Maintenant, donc on a dit que maintenant on reprend le fil du sujet développé depuis tout le Pérec. Hey, où on expliquait chaque Korban et ses caractéristiques, où le faire. Et la Mishnah vient de m'enseigner. Amenachot, ayunik matzot, bechol, makom, ba'azara. Les menachot, c'était les oblations de blé. On aura l'occasion de les développer bien plus. Plusieurs sortes d'oblations. On les prenait, on faisait une pâte, on apportait, et ensuite on le faisait frire dans une huile profonde, dans une huile pas profonde, ouais, ça fait plus croustillant,
bouillie dans l'eau, grillée telle quelle, mitrat pitin ça s'appelle, et même, il y a même des fois on peut apporter une solette crue aussi, de la semoule crue. En tout cas, donc c'est ce qu'on appelle toutes les menachot. De manière générale, le rituel des menachot, c'était pas de leur faire la shrita, parce que égorger les grains de blé c'est un peu dur, mais plutôt, on prend les... Alors si c'est de la semoule, on prend l'assiette de semoule. Si c'est des pains, on les coupe en petits bouts. Et puis le Kohen devait ramasser la kmitza. La kmitza, c'était de ramasser avec ses trois doigts. Ce doigt-là s'appelle la kmitza, justement, parce qu'il devait ensuite aplanir, de manière à ce qu'il prend exactement le... On a déjà évoqué le sujet. On a de manière à ce qu'il prend une pincée de trois doigts, en fait. Et il prend ça, et il le jette sur le feu du misbeh, il monte sur la rampe, et il le jette dans le feu du misbeh, et il a fait en cela la mincha. D'accord ? Eh bien, la Mishnah m'enseigne, Amenachot, Ayu, et le reste de la mincha, bien sûr, tout le reste, une fois qu'il a pris ce petit échantillon, alors tout le reste était consommé par les Kohanim, c'est ce que la Mishnah vient nous enseigner, en disant, Amenachot, les oblations de blé, Ayu nikmatzot bechol makom ba'azara, elles étaient... On prélevait leur échantillon, on faisait nikmatzot, c'est la forme factitive du mot kometz. Donc on leur faisait la kmitza, on prenait le petit échantillon. Bechol makom ba'azara, tu pouvais le faire où tu veux. Si par facilité, quoi, le Kohen voulait plus partir près du Kevesh, eh ben, il pouvait partir complètement au sud, il ramassait, il montait tout de suite et il allait le jeter s'il voulait. Il n'a aucune restriction, il le fait là où il veut dans l'azara. Venechalein le finim minakelaim. Et les restes de la mincha, une fois que tu as pris l'échantillon, tu l'as jeté sur le misbéach, qui sont consommés par les Kohanim, alors nechalin, ils seront consommés, lifni minakelaim, dans l'enceinte des klaim, donc des rideaux, des teintures qui délimitaient le Mishkan, ça c'était à l'époque du Mishkan, le temporaire qui était dans le désert, et une fois qu'ils sont arrivés à Yerushalayim, qu'ils ont construit une maison en pierre, donc c'était limité par la Hazara, d'accord ? Donc, ils étaient consommés dans l'enceinte des Klaïm de la cour du Misbéach, les Ichre Keuna, par les mâles Kohen, les hommes Kohen uniquement, Bechol Ma'achal, ensuite ils pouvaient les consommer comme ils les voulaient, ils pouvaient les refaire cuire, les manger dans des grandes flaques s'ils voulaient aussi, les Yom Valaïla Adchatzot, et elles devaient être consommées, les Menachot, ces oblations de blé, en un jour et une nuit, jusqu'à la moitié de la nuit, uniquement de peur qu'il va dépasser les limites aussi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.